10 remèdes naturels pour fixer les paupières qui tombent en 2 minutes. Chaque année, des milliers de gens subissent des interventions esthétiques pour relever leurs paupières tombantes et affaissées dans l'espoir de retrouver un regard plus jeune. Ils ne savent pas que tu peux t'occuper de ce problème à la maison. Tu n'auras besoin que de quelques ingrédients simples, mais efficaces, pour obtenir des résultats instantanés. Mais avant de te rendre à la cuisine pour commencer à faire les mélanges de ces recettes magiques, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 1. Des concombres. Voici un masque naturel pour les yeux que tu vois tout le temps dans les films en permanence. Et il y a une bonne raison pour cela. Tu vois, les concombres possèdent deux armes secrètes, l'acide caféique et l'acide ascorbique, qui non seulement raffermissent ta peau, mais en plus réduisent aussi l'inflammation. De plus, les concombres sont riches en potassium et en vitamine C, ce qui peut aussi t'aider à faire face au relâchement des paupières. Pour constater tous ces effets incroyables sur toi, mets deux tranches froides de concombre sur tes yeux et laisse-les opérer pendant 15 à 20 minutes. Numéro 2. Du thé vert. Les antioxydants et les propriétés anti-inflammatoires du thé vert font beaucoup de bien à ton corps. Mais cet incroyable remède naturel peut aussi t'aider dans le domaine de la beauté. Et cela inclut l'élimination des paupières tombantes. Les polyphénols présents dans le thé vert doublent l'effet et améliorent l'élasticité de la peau. Donc si tu veux essayer d'incorporer le thé vert dans ta routine de beauté, il suffit de préparer du thé, de le laisser reposer jusqu'à ce qu'il soit à une température agréable et relaxante, et de l'utiliser pour masser tes paupières pendant environ 10 minutes par jour, au moins 2 fois par semaine. Ou tu peux toujours boire plus de thé vert. Numéro 3. Des glaçons. Tu n'as pas le temps de couper des concombres ou de préparer du thé vert, eh bien prends quelques glaçons. La glace contracte les vaisseaux sanguins, ce qui réduit l'inflammation et les poches autour des yeux. Tout ce que tu as à faire, c'est de poser des glaçons sur tes paupières pendant 5 à 10 minutes. Et tu verras l'effet instantanément. Tu peux aussi te laver le visage avec des glaçons ou de l'eau froide. Cela raffermira ta peau et réduira l'affaissement autour de tes yeux. Numéro 4. De l'aloe vera. L'aloe vera a des propriétés anti-inflammatoires uniques qui sont très utiles pour les poches, les rougeurs et le relâchement des paupières. Ce remède naturel raffermit la peau des paupières et la rend plus élastique. Pour constater les résultats par toi-même, il suffit de prendre un peu de gel d'aloe vera et de le masser doucement sur tes paupières pendant environ 5 minutes. Cependant, n'exerce pas trop de pression. La région des yeux est très délicate et doit être traitée comme telle. Tu peux aussi en mettre un peu sur tes cils pour les maintenir hydratés et les aider à pousser. Numéro 5. L'huile d'olive. L'huile d'olive regorge d'antioxydants essentiels qui minimisent l'affaissement du contour des yeux, hydrate la peau et améliore son élasticité. Pour essayer, chauffe 3 cuillères à soupe d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elle soit tiède, pas chaude, au toucher. Ensuite, masse tes paupières avec et laisse agir toute la nuit. Au réveil, rince-toi les yeux à l'eau froide. Et voilà, tu auras l'air frais comme la rosée du matin. Numéro 6. L'huile de noix de coco. Il y a un autre type d'huile qui aide beaucoup quand il s'agit des paupières tombantes, et c'est celle de noix de coco. Cette huile est un agent antibactérien et antifongique entièrement naturel qui te permet de te débarrasser de l'effet tombant de tes paupières, tout en hydratant et en rajeunissant la peau sensible. Encore une fois, réchauffe simplement 3 cuillères à soupe d'huile de noix de coco. Masse tes paupières avec et laisse agir pendant la nuit. N'oublie pas de rincer ton visage à l'eau froide le lendemain matin. Numéro 7. Des blancs d'œufs. Le blanc d'œuf est l'un des meilleurs produits naturels lorsqu'il s'agit de paupières tombantes. Tu vois, quand un blanc d'œuf sèche, il se rétrécit, ce qui aide à raffermir ta peau et rend immédiatement tes paupières lisses et liftées. Assure-toi donc que tes paupières sont propres et sèches et mets un peu de blanc d'œuf dessus. Tu peux également en ajouter une partie sous les yeux pour enlever les poches.
Attends que tout soit sec, lave à l'eau froide et c'est fini. Numéro 8. Du thé à la camomille. Tu as probablement déjà compris que les antioxydants et les produits naturels qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires sont ceux dont tu as besoin pour lutter contre les yeux gonflés et tombants. C'est pourquoi le thé à la camomille peut aussi t'aider dans ces cas. Ainsi, la prochaine fois que tu feras un délicieux thé à la camomille à un ami, prends les 2 sachets de thé utilisés, mets-les au réfrigérateur 10 à 15 minutes et place-les tout simplement sur tes yeux. Attends 15 à 20 minutes et c'est tout, le tour est joué. N'oublie pas d'intégrer ce rituel à ta routine de beauté habituelle pour obtenir de meilleurs résultats. Numéro 9. De la crème naturelle pour les yeux. Se débarrasser des paupières tombantes est une bonne chose, mais si tu cherches quelque chose pour revitaliser tes yeux, cette crème pour les yeux faite maison est un must. Et le mieux, c'est que tu peux te procurer les ingrédients dans n'importe quelle épicerie. Tu auras besoin de 4 cuillères à soupe de yaourt nature, 4 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, 2 cuillères à soupe de gruau et un concombre. Commence par peler le concombre et coupe 5 tranches. Ensuite, mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte lisse et épaisse. Applique cette pâte sur la région des yeux pendant 20 minutes. Le concombre prendra soin de tes paupières tombantes, le yaourt hydratera ta peau, le gel d'aloe vera réduira l'inflammation et le gruau d'avoine donnera à la peau autour de tes yeux un éclat intérieur naturel. Utilise cette crème maison pour les yeux au moins 2 fois par semaine pour oublier définitivement le relâchement des paupières. Numéro 10. Des exercices pour les yeux. Si tu recherches un effet encore plus durable, tu peux essayer des exercices pour les yeux. Ils renforcent les muscles à l'intérieur et autour des paupières pour vraiment réduire l'effet d'affaissement. Allons-y tout de suite. Ferme les yeux, place tes index sur chaque paupière et lève tes sourcils. Compte jusqu'à 5 et applique une légère pression sur tes paupières à chaque fois que tu comptes. Prêt ? Partez ! 1 2 3 4 5 Maintenant, essaye d'ouvrir les yeux avec un peu de pression et c'est fini. Répète cet exercice 10 fois par jour et tu obtiendras certainement les résultats que tu espères. Et c'est à peu près tous les remèdes naturels qui peuvent t'aider à obtenir un regard frais et parfait. N'oublie pas que le mode de vie que tu mènes a aussi un grand impact sur ce problème. Par exemple, le manque de sommeil ne fait qu'augmenter l'affaissement et les gonflements, alors qu'un bon repos peut les enlever complètement. C'est la même chose que boire assez d'eau. Rester hydraté est essentiel pour avoir une belle peau éclatante et la région des yeux ne fait pas d'exception. Assure-toi donc de boire au moins 8 à 10 verres d'eau par jour et tu verras ta peau s'améliorer presque instantanément. Pour ce qui est de ton régime alimentaire, évite la malbouffe et ajoute plutôt des fruits à ton menu. Ils sont riches en resvératrol, ce qui ralentit le processus de vieillissement cellulaire. Enfin, pense à investir dans un bon sérum pour les yeux. Ces remèdes naturels fonctionneront tout aussi bien, mais avec un sérum pour les yeux approprié, tu obtiendras ce regard jeune et lifté bien plus vite. Tu dois juste te rappeler d'appliquer ton sérum chaque jour avant d'aller au lit. De cette façon, tu en tireras le meilleur parti. Connais-tu d'autres remèdes contre les paupières tombantes? Dis-le-nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.